Alléluia, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni mon frère, ma soeur, toi qui nous suives maintenant en direct sur Shiloh TV dans notre programme L'École du Saint-Esprit. Et nous allons lire aujourd'hui quelques versets comme d'habitude. Nous allons prendre le livre des Actes, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, nous lisons le verset 1er au verset 2. La Bible nous dit ceci: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Le verset 2 nous dit ceci: pendant qu'il servait dans l'église d'Antioche, bien sûr, donc il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, donc des gens qui connaissent la parole de Dieu, des gens qui transmettent la parole de Dieu. Dans le verset 2 de la Bible dit ceci: pendant qu'il servait le Seigneur, tous ces noms-là qu'on vient de lire, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Éternel des armées, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous accordes à étudier ta parole. Que ton esprit nous aide, nous guide, nous enseigne, nous transmet des choses pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Maître Christ Jésus. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit aux gens qui étaient dans un programme de jeûne, aux gens qui jeûnaient et priaient, parce que c'était des personnes qui servaient l'Éternel. Le Saint-Esprit leur dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. C'est pour cela que quand nous nous engageons dans la vie chrétienne, nous devons consacrer nos vies à la prière et au jeûne. Vous devez de temps en temps faire des programmes de jeûne en tant que chrétien. Et vous devez toujours être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle, il peut utiliser la bouche d'une personne pour parler. Le Saint-Esprit peut utiliser ta bouche pour parler. C'est pour ça qu'il faut toujours être disponible, dispo. Il faut toujours être à l'écoute de l'Esprit. Nous devons savoir que les démons aussi utilisent des fois les bouches des gens pour parler. Les démons, les esprits mauvais utilisent les bouches des personnes pour parler. Il faut être en communion avec l'Esprit de Dieu pour savoir que non, ce qui vient de cette personne, est-ce que c'est Dieu qui nous parle ou c'est un esprit mauvais qui parle au travers de la personne. Ça, nous pouvons voir dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, chapitre 19, les versets 13. Du verset 13 au verset 15. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme il faut si nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. Nous devons chercher à mieux connaître l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui doit nous aider à servir, à bien servir. Ou c'est lui qui sert au travers de nous. C'est lui qui nous utilise, plutôt, pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas bien servir Dieu si vous n'êtes pas en communion avec son esprit. Vous pouvez faire de la théologie. Vous pouvez même voir, étudier ou enseigner la Bible selon vous. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas encore la connaissance de personne, du Saint-Esprit, vous serez toujours dans la confusion. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance.
mais c'est lui qui nous donne la puissance. C'est lui qui nous utilise. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu au travers de nous. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence non plus. Mais c'est une personne. C'est pour cela quelque part, Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste qu'une personne. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est une personne. Et quand on parle de la personne, ce n'est pas ce corps physique. La personne, c'est l'esprit. Nous sommes des esprits, nous vivons dans ce corps. Un jour, ce corps va mourir. Un jour, nous allons quitter ce corps pour retourner auprès du Père. Car c'est lui qui est notre source. C'est lui qui nous a créés à son image. Et Dieu est esprit. Et nous sommes des esprits. Une personne, c'est l'esprit qui habite dans ce corps. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des corps, comme je dis, nous sommes des esprits et nous vivons dans ce corps. C'est pour cela qu'il y a même des fois des esprits méchants qui cherchent à habiter et aussi dans les corps des personnes. Car eux, ils n'ont pas de corps. Il y a des millions d'esprits dans ce monde qui n'ont pas de corps. Des esprits qui sont là à errer de gauche à droite. Qui cherchent à posséder des corps. C'est pour cela que des fois, vous voyez des personnes qui se comportent bizarrement. Des gens qu'on peut dire qu'ils ont de la folie, qu'on dit qu'ils sont devenus des fous. Parce que c'est un autre esprit qui a pris ses contrôles, les contrôles de leur corps. Car nos corps, c'est juste des vases. Et nous devons faire de sorte que ces corps puissent devenir des vases utiles pour les maîtres. Nous devons faire de sorte que nos corps puissent devenir des temples pour l'esprit du maître. Afin que lui-même, le Saint-Esprit, puisse commencer à utiliser nos corps ou à bien utiliser nos corps. Nous devons chercher à être en communion avec la personne du Saint-Esprit. Nous devons faire attention à la vie que nous menons tous les jours, à des choses qui sortent de nos bouches, à des choses que nous cherchons à nous attacher. Car tout commence par la pensée. Et quand nos pensées prennent le contrôle de notre existence, c'est là qui n'est pas bien. Nous devons faire de sorte que dans nos pensées, que l'esprit de Dieu ou la parole de Dieu puisse dominer. Et quand la parole de Dieu dominera nos pensées, c'est là que le Saint-Esprit prendra aussi le contrôle de notre vie, notre corps. Matthieu 12, 43. Les mauvais esprits cherchent à habiter eux aussi dans les corps des personnes, dans les corps des gens. Le Saint-Esprit, il a tout ce que nous pouvons avoir besoin dans ce monde. C'est pour ça que nous devons lui chercher. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher à être en communion avec lui. Nous devons chercher à nous soumettre à sa volonté, à sa parole. Car c'est dit, nous devons chercher la communion avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Comme je dis, comme nous venons de lire, il a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. » Le Saint-Esprit parle.
dans l'Apocalypse, il a parlé aux églises. La Bible dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez? La Bible dit, le Saint-Esprit intercède aussi pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit peut être attristé. C'est pour ça que nous avons dit, ou je dis, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ephésiens 4, verset 30. Nous sommes une église. Ou nous sommes l'église, sœur. L'église glorieuse. L'église universelle. L'église et spirituelle. La mission du Saint-Esprit, c'est de préparer l'église. C'est de nous préparer à la rencontre du Père. C'est de nous préparer à la rencontre du Seigneur. La mission du Saint-Esprit, c'est d'enlever en nous, nous qui sommes les membres du corps de Christ, nous qui sommes les membres de l'Église. La mission du Saint-Esprit, c'est enlever en nous des choses mauvaises, des choses qui ne glorifient pas les maîtres, des choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. C'est ça la mission du Saint-Esprit. C'est détacher de nous des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et il nous prépare à la rencontre du Seigneur. La Bible dit, nous devons être sans tâche et ni ride. Nous devons être sans tâche et ni ride. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Les tâches et les rides, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. C'est les distractions de ce monde. C'est les choses qui nous attirent loin de la présence de Dieu. C'est ça les tâches, c'est ça les rites. Et la mission de l'Esprit, c'est enlever toutes ces choses dans nos vies. Nous préparer à la rencontre du Père. C'est la mission du Père, c'est la mission du Saint-Esprit. Il y a une chose que nous devons savoir. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi, dans ses corps, dans ton corps. Le Saint-Esprit vient habiter. C'est pour ça que tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Car quand tu t'attaches à la parole de Dieu, c'est là qu'il commence à faire son travail. Et c'est là que vous allez commencer à œuvrer ensemble. Et c'est par là que le Saint-Esprit va commencer à utiliser ta bouche et tes mains. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours sur Chiro TV, dans notre programme L'École du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse.